Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Natural Magic. Alors pourquoi Natural Magic? Ben aujourd'hui nous allons en parler. Comme vous l'avez vu dans mon inventaire, j'ai des diamants, j'ai des graines, j'ai du Vintium Or. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon aujourd'hui on va se baser, on va retourner un petit peu sur Magical Crops, les graines magiques, les plantations. Alors en gros, pour être tout à fait honnête avec vous, alors c'était comment encore toi? Allez, 4 autour de ça. J'ai déjà un petit peu avancé hors caméra. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai récupéré donc énormément de. Enfin, toute mon essence dust que j'ai transformée en weak essence. Ma weak essence, je l'ai transformée en regular essence en faisant même chose. Donc 1, 2, 3, 4 autour de celui-ci. Du Regular Infusion Stone que j'ai fait en mettant 8 essences de charbon autour. J'ai un sale courant d'air qui vient me chatouiller le bras, c'est assez désagréable. Mais ce n'est pas grave. Hop! Donc j'ai des Regular Essences. Les Regular Essences vont me permettre de faire plusieurs choses. Comme vous l'avez vu, ici, Redstone Seed. Ça, j'ai déjà fait de la Redstone Seed. Pourquoi la Redstone Seed? Ben, simplement parce que une fois qu'on met de l'essence de Redstone autour d'une Regular Infusion Stone, ça me fait une Strong Infusion Stone. La Strong Infusion Stone, ça permet de faire d'autres essences, d'autres graines, des essences plus puissantes. Enfin, etc., etc. Alors, donc là, j'ai fait une redstone seed, une seule, qui est déjà plantée là-bas. Je vous à côté des essences seed et des coal seed. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire du Vintium Ore seed, enfin Vintium seed, comme ceci. Donc Régulière essence, régulière essence, régulière essence, régulière essence. Vintium or, vintium or, vintium or, vintium or. Et graines normales. Pourquoi du vintium seed, me direz-vous? Il y a des choses plus intéressantes. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses un peu plus intéressantes que de faire ça. Mais. Voilà. Mais je le fais quand même. Mais pourquoi je le fais quand même? Pourquoi tu ne me écoutes pas? Ben simplement parce que ici, pour faire. Le Magic Wall ici, là en face, et pour faire le bloc central du Crafting Altar, il me faut du Vintium. C'est vrai, j'ai, comme tu dirais, j'ai quoi? J'ai maintenant 21 blocs. J'ai 21 blocs de Vintium, c'est suffisant pour le moment. Hop, c'est la nuit, armons-nous. J'ai déplacé les trucs essence seed que j'avais là. Et j'ai été les mettre là-dessus, à côté des autres. Hop. On ouvre, on rentre. On passe ici. Ici, il y a toujours ces trucs-là que je dois toujours voir comment faire. Et donc voilà. Donc ceci, là. Et ceux-là derrière, ce sont des coal crops, donc des pousses. De charbon. Ici, essence crop. Et ici, redstone crop. Et pouf! Redstone Vintium. Bien entendu, c'est pas le lapis, c'est la bonne mine ne fonctionne pas. Sinon, ce serait trop facile. Voilà. Donc, hop. Ce que je vais faire en attendant. Boum, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ça? Ah, Blackberry. S'en fout de Blackberry. Vous voyez ici, il me reste 21 or. 21 Vintium or. Alors, les Vintium or. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour transformer ça en poussière. Soit
Moon Vitium Dust. Il y a moyen de faire ça autrement. On va mettre. Si 800. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ok. Du charbon. Il me faut du charbon. Il est où le charbon? Hop, là au-dessus. Charbon. Charbon. Charbon, charbon. Ah bah a priori j'ai plus de charbon. Non, c'est une blague. C'est quelqu'un qui veut faire le rigolo. Ah, ah, ah. Ici. Non plus. Encore des œufs. Non, non. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas possible. Il y a toujours ce truc-là. Ah, 4. Ah. Un peu donc non, pas là, et pas là non plus. Toujours perturbant ce truc. Hop. Hop. Je vais sûrement en avoir ici, hein. Ah, charbon. Hop, on va prendre le tout, ou bien hop, on va déjà installé. Si je me souviens bien, ouh, araignée. Si je me souviens bien, la cuisine est censée être ici. Alors mettons les fours ici. Tic tac toc. Voilà. Et voilà. Là. Alors, on va d'abord faire comme ça. J'en ai combien? J'en ai 8. Hop, ici. Ça monte, ça monte. Et brrrt, facile. Là. 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 Là aussi. Là toujours. Là encore. Là. Et. Hop. Comme ceci 7 8 hop. 4 5 6 7 8 même si on en a beaucoup économisons un minimum notre charbon alors ça c'est toujours pour descendre. Je vais m'occuper de la construction ici, hors caméra. Hein, ça va être beaucoup plus sympa pour vous. Bon, bien entendu, les murs ne vont pas être de cette couleur-là. Où ça? Hop. Où ça? Meurs. Merci. C'est pas ici que ça a été. On me tire dessus. On me tire dessus. Est-ce que je vais y arriver? Non, c'est un peu trop loin. On me tire encore. On me tire dessus. Dans le dos en plus. Hop là. Voilà, alors bon, je vais donc récupérer ici. Les 8, les 5 et les 8. Ok, donc ça, c'est récupéré. On va faire
Oui, j'ai dit qu'on faisait le Magical Crops. Et voilà. On fait un petit peu aussi de Ars Magica, le temps que là-bas ça pousse. Et comment faire du Ars Magica? Ben, avec un crafting altar fonctionnel. Pour qu'il soit fonctionnel, bon, déjà, il faut dégager ces blocs de. D'astéroïdes, de météorites, pardon. Chose, hein. Je ne suis pas astronome, mais ça revient à peu près à la même chose. À peu près. Une pioche. Où est-ce que j'ai rangé? Ah non, non, c'est vrai. C'est vrai. La pioche, il me semble que je ne l'avais pas récupérée. Que une fois j'étais mort avec et qu'elle a décidé de ne pas réapparaître. Hop. Alors. Ici. Tac. Pourquoi tu prends pas ton gros marteau? Bah si je prends mon gros marteau, me connaissant, je risque de tout péter. Je me connais assez que pour savoir ça. Par exemple comme ça. Et de toute façon, le gros marteau, lui-même, ça pète tout. Est-ce qu'on transvaserait pas déjà le crafting altar? Pour être intéressant. De toute façon, ici, hop, des planches en plus. Ça dégage, ça va là. Parce que si on déplace déjà le crafting altar. Ouh putain! What the fuck? Oh putain! Ah oh, vous la sentez la galère. Aïe. Bon. Bah voilà. Je déplace tout, je vais faire un coffre vite, des coffres vite fait. Tant pis, hop, je vais faire ça ici. Tac, ça je mets là pour le moment. Hop, tac, je pose ça là. Hop, coffre. Ici, je dégage tout. Je savais qu'il allait y avoir une couille comme ça. Je le sentais. Pour ça que j'étais pas ultra ultra chaud et motivé pour Hein? Bien plus rapide comme ça. Là, je vais vite devoir faire les allers-retours parce que j'ai pas du tout envie de tout perdre. Comme voilà, je suis déjà full. Va être particulièrement agaçant. Et bien sûr, maintenant je ne sais plus courir. J'ai du pain là-bas. Oh là là, je vous jure, mais je vous jure! C'était gros comme une maison, comme cette maison-ci qui allait avoir un truc qui allait pas y aller. Hop, je te prends toi, 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 ça dégage, ça dégage. Ma vie elle est comment? Ma vie elle est moyen bof. Manger, c'est bien. Alors toi, toi je te reprends. Toi t'es là aussi. Un autre coffre ici. Hop, hop. Et je vibre. Hop. Alors, hop, où est la suite? Ici, par exemple. Voilà, oh, j'ai tout perdu. Quelle galère!
Tac, 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 on se dégrouille, parce que on veut pas tout perdre. Il me reste encore un peu de place. Alors, hop, ici. Hop, Imren. Ça, je le récupère aussi. Il ne me reste plus de place. Hop. Alors, je me demande vraiment ce que j'ai perdu, quand même, hein. Parce que ça m'étonnerait vraiment que ça ait juste fait pchit, boum, et tu as tout ton stuff, et tout ton stuff qui est étalé. Je suis sûr qu'il y a des choses en plus. Toi, je te reprends. Hop. Toi, je te mets là. Toi, je te mets là. Ici. Plus de coffres. Parfait. Tac. Là. Là. Ici. Là. Ok. Ça, c'est. Hop. Hop, ici, toi. Allez, on vide tout. On vide tout, j'ai dit. On dégage tout. Hop, ici. Allez, on court. Allez, on court, on court, on court, on court, on se dépêche. Hop. J'ai tout récupéré? Récupéré tout ce qu'il y avait volé. Ici, dedans, il y a quelque chose? Non, rien. Il semblerait. Hop. Alors on va devoir trier tout ça. On va faire en sorte de ne plus rien risquer à ce niveau-là. Enfin, j'ai tout récupéré. J'ai récupéré tout ce qui était récupérable. Regarde ça comme ça. Hop, ici. Bon. C'est assez gênant, ça arrive. Et je vais continuer de tout transvaser et je vous reprends après. Hein, je crois que ce sera plus simple. Donc voilà, donc à tout de suite. Et re les amis, voilà. Alors, donc j'ai tout transféré. Bon, j'en ai profité pour partir au boulot aussi. Et revenir, si je manque d'énergie, c'est normal. Le boulot était pas évident aujourd'hui. Alors donc, j'ai ici vous voyez, j'ai mon crafting altar qui est presque prêt. J'ai remplacé les blocs d'iron par des blocs de d'or. C'est plus sympa. C'est plus sympa et c'est plus puissant. Alors hop, je fais le crafting altar et il m'en faut 6 autres. Comme ceci. En fait, il m'en faut qu'un seul. Voilà, donc j'ai mes Magic Walls et j'ai mon Crafting Altar. Allons fignoler. Je viens de remarquer que je n'ai pas récupéré l'ensemble de mon matériel de Ars Magica. J'ai des trucs qui ont disparu. Voilà. Donc là, le Crafting Altar, il est placé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et normalement, il est, vu qu'il est apparu, il est vivant. Alors bon, bah, on va devoir recréer, vous voyez hein, ici, mon Tomcraft, Botania, Magical Corps, Archéologie, etc., etc., etc. Voilà, donc j'ai trié comme ça, Ars Magica, il est là. Hop, ça va là, tac, non. Ça va pouvoir ressortir. Ici, j'ai plein de chimérites. Je me demande à quoi ça sert d'ailleurs, en fait, ce truc. Hop là. Alors, voyons voir. Ça me fait des blocs. C'est super. Ça me fait des illusion blocks. C'est pas mal. Ça me fait des Ethereal illusion blocks si on met des black runes.
Blue Topaz avec un machin truc. Ethereum conduite. On va bien voir à quoi ça sert. Mana batterie. Ok. Particle émetteur. Soit. Everstone. Éventuellement. Magitech Goggles. Pourquoi pas. Chimerite Seed. Oui. Flicker Lure. Soit. J'ai l'impression d'être particulièrement convaincant et convaincu. Alors, donc, Infusion Ethereum Potion, ok, et ça recommence. D'accord. Rien de très important pour le moment. Donc, je reprends donc ça, et il me faut quoi pour construire les premières choses. Toi, c'est pas toi, toi non plus. Non plus. Où est-ce que c'est? Mana Burnout. Warding Candle. Big Fat, non. Des parchemins. Ici, tier 1. Bon, bref. Ok. C'est pas là. Crafting Acca, Everstone, Inscription Table, Oculus. Voilà, c'est ça qui me manque. Stone Brick, Stone Brick, Stone Brick. Vert, charbon, charbon et blue topaz. Alors, donc, Magica, blue topaz, bloc, stone brick. Stone brick, là, ça va devoir repasser par chisel. Chisel, chisel, chisel. Où est-ce que je l'ai mis? Je t'ai mis où? Où est-ce que t'es? Je sais que je l'ai. Mais je ne sais plus où. C'est dedans. Est-ce que je l'aurais mis celui-là? Non, peut-être ici. Voilà. Alors, hop, où est-ce que t'es? Là. Je te mets toi là et je te reprends en stone brick. Normal. Donc, on va refaire. Donc, c'était comment? De là, du verre et le charbon. Verre et charbon. Ici, charbon, charbon, vert, ici, vert. Ça va être encore mieux classé. Là, j'ai juste vraiment dégagé tout ce que je devais dégager. Alors, voilà. Ici, non, c'est tac, tac, tac. Comme ça, avec un vert ici. L'oculus est présent. C'est super. Donc, j'ai placé mon Meteor Shield que j'avais. Parce que ça fait plaisir maintenant. Maintenant, si jamais ça, si jamais il y a encore un de ces machins qui va me tomber dessus, ça ne peut pas. Où est-ce qu'il est tombé? Je ne sais pas. Il y a le détecteur qui s'active. Tu me montres. Où est-ce que tu me montres? C'est pas grave. C'est pas grave. Il s'active, il part dans tous les sens. Hop là. Donc ici, j'ai toujours la même chose qui est débloquée. Touch dig. Ouais, c'est quand même particulièrement développé. Ah, toi, c'est lui qui fait du bruit. Alors, hop. Le comète détecté. Il me faudrait idéalement. Tac, 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 tac. Eh ben, on verra bien si on trouve ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il me fallait de... À quoi je pensais? Ici, hop. Inscription table qu'il me faut. Spell parchemin, des plumes, des slabs. Truc, alors slab, j'en ai plus que deux. Veux-tu bien, s'il te plaît, faire un peu moins de bruit? Une torche, une plume. Alors, le papier, c'est papier avec des sticks.
je me trompe pas. Ça, je vais prendre et je vais installer ça aussi. Alors, est-ce que j'ai encore des slabs ici? Ça, c'est bien. Hop, ça, on prend aussi. Hop là, il m'en faut deux comme ça. Et il me faut des sticks. Reviens ici. Merci pour ta bienveillante coopération. Hop, alors, donc, c'est tac, ici. Touk, touk, touk. Mais avant ça, je dois d'abord faire un. Ici, toi, je dois te poser parce que j'ai oublié quelque chose. Hop, tac, tac, avec du papier au mieux. Et hop, c'est pas le parchemin. Donc, ici, il y a quoi? Il y a un spell parchemin là, une torche là et une plume ici. Parfait. Voilà. Alors, hop, je vais mettre ça ici. Enceinte. Super! C'est trop. Super, ça, c'est bon. Je me suis équipé de ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'il me manque? Je vais mettre. Bon, ici, ça va être vraiment la pièce Ars Magica. Ici, je vais pouvoir mettre des choses. Par exemple, je vais mettre. Là, ça va être ma salle des coffres. Ici, je vais mettre mon. Ma bibliothèque avec ma table d'enchantement. Je vais te poser aussi. Je vais te poser plutôt ici. Où es-tu, torche? Torche, tu es là. Hop là. Ça a été réinitialisé. Ok. Hop. Ça va là. Alors. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Wake Bloom, ça, c'est une fleur que j'ai trouvée là tout à l'heure. Chez Zelda. Tac. Oculus, Magic and World Band, ça c'est celui-là. Description Table, Crafting Altar. Ok, ah bah on va. On va. Altar. On va créer notre premier sort. Mais pour ça, il me faut. Veux-tu bien? Je crois que ça va être assez agaçant, je pense, ce bruit. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, donc il va me falloir de l'encre, si je ne me trompe pas. Alors, pour faire. Il faut à manger d'abord. Manger, manger, manger. Ça. Alors. Ici, pour faire. Toi. Un. Writing book. Book. Ah, book and quill. Comment on fait ça? De l'encre. De l'encre, une plume et un bouquin. De l'encre, une plume et un bouquin. Je n'ai pas d'encre. J'ai des plumes. Et j'ai des bouquins. Donc, 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Hop, alors ici, bloc, 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 bloc aussi, bloc. Je mets ça en bloc. Ça, je vais mettre ça là-bas. Et en fait, je pense qu'on va pouvoir se laisser tranquillement ici. Le papier, tu peux être rangé aussi. On va se laisser ici. Je vais aller chercher, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, là-bas, il y a plein. De pieuvres. Non, c'est pas les pieuvres. Si, c'est les pieuvres. Ouais, des pieuvres. Là-bas.
On va aller donc chercher ça. On va aller. Et une fois qu'on aura les pieuvres, enfin qu'on aura tué les pieuvres, ira se chercher. 3. 3. 3, c'est déjà bien. Il m'en faut 4, 5. Ici, je vais déjà en mettre une de ce côté-ci. Donc, je vais aller chercher l'encre. Je vais, une fois que j'aurai l'encre, je pourrai. Pour le moment, je la mets là. Normalement, il n'y a rien là. Mais pour le moment, j'en mets une là. Donc, une fois que j'aurai ça, je crafterai les bouquins et je vous ferai le premier sort dans le prochain épisode. Et bien, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, un petit pouce rouge si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à dire pourquoi ça ne vous a pas plu. Et pourquoi ça vous a plu aussi, hein, bien entendu. Ça, vous pouvez toujours dire ce genre de choses. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo. N'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez ce que je fais et que vous aimez le partager. Il me semble que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait que je dise. Ben, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de matinée, après-midi, journée, soirée, nuit, quel que soit le moment où vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, la vache. Pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!